If you have a problem that no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Hey, Hannibal, will you make this sucker shut up? Normalement tous les matins je fais ça, tout est baissé et moi j'arrive, je monte tout. Ça fait un peu pilote d'hélico. Ça c'est toutes les sécurités. Il y en a qui sont neufs, qui ont changé. Ben c'est crevé, pneu de dégonflé, il fait pas de bruit, il fait pas. Il faudrait pas son rebond, son retour. Je relâche un coup. En fait, l'essentiel c'est de pas avoir de matos personnel. Bah ouais, c'est à chaque fois, toi, c'est le. Il faut qu'on ait une uniformité déjà dans le matériel. En cas d'incident, tu peux pas justifier d'avoir roulé. Il faudrait que ton matos personnel soit homologué, quoi. La tronçon, est-ce que tu vas en avoir besoin, Clément ? Pour l'instant, non. On va la laisser où elle est et j'apprendrai le jour J, quoi. T'as fait le topo de tes tapis ? Ouais, il me manque une dizaine. D'accord. Et là, en fait, toute la gare, là, tu peux ranger 30 fauteuils. C'est-à-dire que je peux sortir 30 fauteuils de trucs et les ranger à l'abri pour retravailler dessus. T'as ben, bien sûr tout le matos d'hiver qui est rangé. Première partie du job, on débâche et on contrôle les sièges. À des endroits spécifiques là que tout soit ok. Ça tourne. Et on a fini ce matin de manger tout le balisage qu'on avait à mettre. Donc là on recharge et on repart pour une nouvelle aventure. Là, on va remonter à full. Non, spad. On va faire spad. Tu peux faire spad en même temps. Spad, et on va faire la zone de spad. Et en remontant, okay, on fait full à l'envers. Full à l'envers, et puis on sera pas loin de ma mat à 5 heures pour le récupérer. Deuxième jour au bike park, on va récupérer le balisage et pour aller baliser la full mountain et Cabo Frios. Une rouge pour la full mountain et noire pour Cabo Frios.
là on est sur un des premiers modules qui a été créé sur le parc et qui a 11 ans. Et donc bah, les années sont passées, les hivers sont passés dessus, le bois a commencé à pourrir. Donc on le démonte avant que ça soit vraiment trop dangereux. Et puis on fera quelque chose à la place. Ça il aime ça. Là tu peux le filmer là, tu peux le filmer les mâles. Tout pété.